Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo recette. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager la façon dont j'épice ma kefta. Alors c'est parti pour les ingrédients. Alors on aura besoin de sel, de curcuma, de cumin, de gingembre et de piment de cayenne pour les épices. Ensuite on aura besoin de coriandre, d'un oignon, d'une gousse d'ail et de tomates concentrées. On va tout d'abord commencer à couper la coriandre. Donc moi, je la fais à l'ancienne. J'ai trop l'habitude de couper ma coriandre comme ça. Du coup, c'est plus rapide pour moi. On râpe la gousse d'ail. Ensuite, on va râper l'oignon. Plus il y en a, mieux c'est. On ajoute une cuillère de tomate concentrée, une cuillère de gingembre, une cuillère de cumin, une cuillère de curcuma, un petit peu de piment de cayenne, du sel. On ajoute 2 cuillères d'huile. Et maintenant, on va malaxer le tout pour que ce soit bien homogène, que les épices soient vraiment partout. Maintenant, on va réaliser des petits steaks. Après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez, des boulettes, des genres de petites saucisses, etc. Vraiment comme vous le souhaitez. On cuit les steaks dans une poêle avec de l'huile. Pour ma part, c'est de l'huile de tournesol. Mais si vous souhaitez cuire les steaks dans de l'huile d'olive, n'hésitez surtout pas. Ça apporte beaucoup plus de saveur. Donc moi, j'accompagne mes steaks avec des frites maison. J'adore ça, c'est vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je fais ce genre de petits plats. C'est hyper savoureux et c'est hyper simple à faire. Et voilà, mes petits steaks sont prêts. Et ben sincèrement, c'était hyper bon, j'espère que vous avez aimé cette recette. Si jamais vous testez la recette, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Alors je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et on revient très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!